Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma ville moderne. Je vais vous présenter, comme vous venez de le voir dans le sommaire, l'évolution de ma ville. Et puis, dès que je vous ai montré ceci, je vais vous montrer l'évolution de mon hôpital en photo. Et oui, cet hôpital, comme vous allez le voir, c'est un sacré chantier. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré même pas 15 jours. Mais c'était compliqué, il fallait trouver des idées. Et toujours et ne pas toujours faire à des hôpitaux classiques. Alors je vais vous montrer tout de suite mon chef-d'œuvre, si je peux me permettre. Alors, l'hôpital, comme je l'avais montré dans l'autre vidéo, se situe à droite. Alors j'ai pas abandonné ce point-là, j'ai juste laissé de côté pour l'instant pour m'y faire de l'autre côté. Alors je vais vous montrer également mon supermarché Lidl que vous avez vu. Est également terminé. Il est fini. Alors on va regarder pour commencer le Lidl. Alors vous n'allez pas voir l'hôpital tout de suite. C'est fait exprès. Quelle est la source de l'autre côté. Alors, le Lidl, le voici. Alors, voilà, j'ai juste changé la couleur. C'était bleu, j'ai mis en gris. Voilà. C'est bleu. Voilà un peu. Que ça donne, donc c'est en hauteur, voilà ce que ça fait, hein. Ça fait ça, c'est un L comme Lidl. Voilà. En parking j'en ai compté une centaine, je me rappelle plus vraiment du nombre. Et ce que vous voyez là, bien sûr, c'est les lampadaires. Alors on va rentrer dans le Lidl, bien sûr il n'est pas aménagé. Pourquoi? Parce que je n'aménage plus les bâtiments, je trouve que c'est long. J'ai pas encore fait de porte automatique. On rentre comme ça. Alors voilà. Ce que ça fait, ça fait ça. On dirait un magasin de vêtements, c'est vrai. Ouais, c'est tout gris. Et pour éclairer, je aussi. Voilà. Alors là-bas, bien sûr, ça va être abandonné. Ce que vous voyez là-bas, c'est un ancien gratte-ciel. Je vais le casser. Je voulais faire un des bureaux. Voilà. Bien. Maintenant, je vais vous montrer. Quelque chose, bien sûr, vous le savez, c'est l'hôpital. Voici l'hôpital à droite. Et voilà l'hôpital. Alors, on dirait que j'ai pris un an pour le faire. J'ai pris 15 jours. Mais j'ai pas fait les intérieurs. Hein. Les extérieurs seulement. Je vous redis. Alors, le voilà. Hôpital 2017. On va commencer par le petit bâtiment. Donc, ça. L'entrée est en dessous, on va rentrer dans quelques instants. Ici, c'est les parkings privés. Privés seulement pour les urgences. Alors, vous vous demandez où seront les parkings pour les visiteurs. Et les parkings pour les visiteurs, je ne les ai pas encore faits. On ne peut pas tout faire en 15 jours. Les parkings visiteurs seront là. Il y aura souterrain et puis un peu en hauteur. Un peu. Voilà, j'ai fait quasiment le même partout, vous voyez, des fenêtres comme ça. Bon, j'ai pas encore trop listé des fenêtres, j'aime bien mettre encore j'aime bien mettre quand on voit que les fenêtres se situent là. Voilà, j'ai mis des arbres sur les côtés pour que ça fasse plus beau. Après je trouve que ça faisait vide. Je vais mettre que ça. Voilà. Bien, on va rentrer. L'entrée pour privé, c'est ici. Voilà. Allez, on rentre. Alors, l'entrée se situe à droite. Là. Oui, il n'y a rien. Et la sortie, quand on va vers l'entrée, c'est à gauche. Et bien sûr, vous avez remarqué, c'est noir. Alors, c'est vrai que ça ne fait pas trop un hôpital noir, mais... Voilà. J'avais envie de faire noir. Bon, on s'en fout, c'est faux. Voilà. Et le bâtiment derrière, c'est un gratte-ciel. Le gratte-ciel que vous attendiez. Il y en a certains qui voulaient que je fasse un gratte-ciel. Alors j'ai pris l'occasion d'en faire un lot. Alors tout en haut, c'est écrit du gratte-ciel Art. Alors Art, c'est pas du français, c'est pas de l'anglais, c'est pas de l'américain, c'est pas de l'allemand, d'italien, de l'espagnol.
c'est du flamand. Et ce mot veut dire cœur. Je voulais mettre quelque chose d'écrit tout en haut. Et dans la langue française, les mots sont un peu longs. Surtout le mot cœur était trop long. Et surtout qu'il faut faire un O et un E. Voilà, je trouve pas le nom. Alors j'ai regardé dans toutes les langues, et comme j'aime bien le flamand, alors j'ai voulu mettre ça. Art. Voilà. Hôpital 2017. Voilà, bien sûr, c'est partout pareil. Alors, ça bloque, je sais. Quand je me rapproche des maisons là-bas, ça bloque parce qu'avant j'aimais bien mettre des cadres dans les maisons, mais ça bloque en mettant des cadres. Du coup, quand on se rapproche là-bas, ça bloque énormément. Maintenant, j'aime plus du tout les cadres. Alors vous demandez combien qui fait de mètres de cube en hauteur le gratte-ciel. En réalité, je ne sais pas. Je vais vous le dire dans quelques instants, à la fin de la vidéo. De toute façon, je vais compter. Je vous le dirai pas, j'espère. Et j'ai mis ici pour faire les antennes du gratte-ciel. Voilà, et j'ai oublié de mettre la verdure tout en haut. Bien sûr, je mettrai des fleurs comme ça. Pas comme ça. Bon, voilà. Alors, vous avez vu qu'en 15 jours, j'ai quand même bien bossé. Et j'ai fait ça, j'ai fait l'hôpital, j'ai fait le supermarché. Alors, la prochaine étape, je vais vous le dire tout de suite. Parce que j'avais envie de vous le dire. Alors, vous voyez, c'est vide ici. Je vais continuer à faire les bâtiments ici. Terminé. Ça va être un appartement ici, puis ici ça sera un tabac librairie. Et puis ici je vais détruire les arbres, et puis je vais faire des appartements, je verrai. Et là-bas il n'y aura rien, parce que ça bloque trop, donc je ne fais rien. Donc voilà. Allez, tout de suite, vous allez voir tout de suite l'évolution de mon hôpital. Je crois que j'ai commencé le 12 pour terminer aujourd'hui environ, parce que j'ai pas totalement terminé, il me reste la verdure, bon j'ai fini. Voilà. Bon voilà, allez. Bye bye. Jack it up.